En 1989, alors que Renault, déjà présent en superproduction, lançait l'Europa Cup, la société dijonnaise Yankee, fort célèbre dans le domaine du modélisme, profitait du salon de la réduction à Lyon pour présenter son nouveau modèle, la R21 à l'échelle 1 quart. D'une longueur d'1,10 m et d'un poids d'environ 12 kg, cet engin d'un réalisme parfait représente un nouveau concept du modélisme automobile. Mû par un moteur Kawasaki de 22 cm3 à auto-allumage et démarreur intégré, la voiture est équipée de suspensions indépendantes et de 4 amortisseurs hydrauliques. Toutes les parties tournantes sont montées sur roulement. L'arceau en zikral vient rigidifier la coque autoporteuse moulée en impax. Les roues, en nylon injecté, sont équipées de pneus slick en gomme tendre et moussés intérieurement. Avec le concours de Renault, Elf et la revue Modélisme Auto 8, l'Europa Control Cup se déroulera cette année sur 9 courses, dont 8 courues en France. La finale ayant lieu en Italie, sur le circuit de Monza. Sur le terrain, l'équipe Yankee au grand complet assure la direction de course, la gestion du chronométrage et vérifie le respect du règlement de cette compétition, dont la première manche s'est déroulée début mars à Mâcon, sur la piste bien connue de la Grisière. Les différentes épreuves se courent sur 2 jours, le samedi étant toujours réservé au cross-control, un véhicule à l'échelle 1/6 que Yankee a créé voilà plus d'un an et qui a servi de base à l'élaboration de la R21. Le cross est équipé de la même mécanique que la R21 et les pneus slick lui donnent une adhérence phénoménale qu'il faut parfois légèrement réduire. En 1989, c'est Philippe Lachat qui a dominé la saison et comme il se réserve cette année pour les courses de R21, certains pilotes espéraient beaucoup de cette première manche. Mais c'est Bruno Petiot qui signe son entrée dans cette coupe par une magnifique pole position, laissant Bernard Ancelem, son compagnon du team Speed Drive, à presque 2 secondes.
Et tandis que Bruno, numéro 83, réalise de très bons tours, d'autres rencontrent quelques problèmes. Le tour de chauffe de la finale est effectué derrière le superbe Pescard. Suite aux deux sous-finales, c'est Bernard Ancelem qui précède Pascal Monlon, Bruno Petiot et Jacques Rimbaud sur les premières lignes de la grille de départ qui est formée de 12 voitures. Dès les premiers tours, Ancelem, numéro 84, prend la tête et creuse un léger écart. Un problème mécanique va malheureusement enrayer sa course. C'est Bruno Petiot qui remporte cette première manche devant Monlon, tandis que Christian Drumer perdra beaucoup de temps dans cet incident. Après un rapide ravitaillement, la seconde manche verra une nouvelle victoire de Bruno Petiot, malgré une très belle course de Monlon sur sa voiture rouge. Le classement final de cette première épreuve de l'année est donc 3e Jacques Rimbaud, 2e Pascal Monlon et vainqueur Bruno Petiot. Dès la fin de la remise des prix, les pilotes de R21 prennent possession de la piste pour une séance d'essais libres qui va permettre de régler ces voitures encore très récentes. Dimanche matin, un chaud soleil vient réchauffer l'atmosphère des stands où s'affairent pilotes et mécaniciens. I'm not going to do that.
Après les derniers préparatifs, ce sont 40 voitures rutilantes qui sont alignées sur le circuit, prêtes à participer à cette première manche de l'Europa Control Cup. Tout feu allumé, le pescard de Luc Jodor ouvre la piste pour des essais chronométrés de 10 minutes où le meilleur temps autour détermine la position du pilote dans les différentes sous-finales. La lutte est acharnée et donne parfois lieu à de petits accrochages. C'est alors le pilote lui-même qui doit descendre du podium pour remettre sa voiture en position de reprendre la piste. Mécaniciens et pilotes s'interrogent sur les modifications à apporter pour rendre la voiture plus efficace. Nous en avons profité pour demander à Brigitte Putanier, seule pilote féminine, ce qu'elle pensait de cette nouvelle formule de course. Ben, je dirais tout simplement que c'est une échelle qui relève du professionnalisme et que je trouve ça vraiment génial et superbe sur tous les points de vue. Pilotage très fin, très sensible, qui me convient donc parfaitement. Une voiture à ce niveau de championnat demande une très bonne préparation. Maintenant, les pièces à remplacer, c'est suivant les sorties de route. Et puis, quelques problèmes mécaniques et radio, mais ceci dit, il n'y a pas de problème particulier. Quant à Claude Lachat, le créateur de la R21, il est enthousiasmé par le succès populaire de la course. Je pense que c'est très bien. D'abord, c'est une nouvelle formule et puis je suis bien content que ça attire autant de monde. Il faut dire que les courses sont assez spectaculaires et les gens ont l'air d'aimer ça puisqu'ils restent. Autrement, ils seraient déjà repartis. Puis en général, les voitures se comportent très bien. Leur comportement, il dépend beaucoup du pilotage et des réglages. Là, c'est la première course, donc les gens apprennent. Ils apprennent à régler la voiture, à s'en servir. Et puis j'espère que ça va s'améliorer aussi bien au niveau tenue de route qu'au niveau pilotage, quoi. Et puis au niveau mécanique, je suis surpris, les voitures vont bien. Peu de voitures, disons, s'arrêtent sur panne mécanique. Donc on n'est pas tout à fait dans le faux. Mais l'heure de la grande finale approche. Et après les derniers préparatifs, chacun se concentre pour les deux manches de 15 minutes qui vont consacrer le premier vainqueur de la saison. Avec Pascal Gueye et Olivier Danière qui ont gagné chacun leur manche de repêchage, ce sont 14 pilotes qui prennent place sur le podium. Les premiers virages sont quelque peu mouvementés, mais dans la ligne droite, les positions sont bien établies et le réalisme est vraiment parfait. Philippe Lachat,
grâce à un pilotage efficace et spectaculaire, creuse tout de suite un écart significatif sur ses poursuivants, parmi lesquels Olivier Danière, numéro 82, occupe déjà la 5e place en étant parti sur la dernière ligne de la grille de départ. Au bout de 4 minutes de course, Olivier attaque Marc Échalier pour le gain de la 3e place. La bagarre est serrée mais très correcte. Et c'est ensuite au tour de l'autre pilote issu des manches de repêchage, Pascal Gueye, numéro 93, de venir se battre pour le gain de la 4e place. Équipé d'un moteur puissant qui lui donne un avantage sérieux en ligne droite, Pascal attaque très fort dans toutes les parties du circuit. Et malgré quelques petites fautes, il va prendre l'avantage sur Marc Échalier qui lui assure un train régulier. Au chapitre des abandons, on note les problèmes du sympathique Éric Bessaudou ainsi que le renoncement d'Olivier Danière à quelques minutes de la fin de cette première manche. Philippe Lachat, lui, ne connaît aucun souci et rallie l'arrivée avec une confortable avance. Après 5 minutes de pause pour refaire le plein de carburant et d'éventuelles retouches, les voitures sont à nouveau en position sur la ligne de départ. Les chances de Jean-Jacques Pierrot sont très compromises dès le premier virage, alors que Philippe Lachat s'échappe à nouveau en tête. Après un très bon départ, Pascal Gueye est remonté de la dernière ligne à la seconde place. Il va malheureusement sortir de la piste et perdre ainsi toutes ses chances pour un bon classement. Avant le départ, nous avions demandé à Claude Lachat s'il ne regrettait pas trop de ne pouvoir participer à cette course. Pas beaucoup. Je croyais l'être plus que ça, mais comme j'ai mes fils qui tournent, ils me remplacent pratiquement, et puis j'ai autant de plaisir à les regarder tourner que moi à tourner. Et en plus, ils te remplacent bien, parce que je crois qu'ils sont très bien placés actuellement. Oui, ils me remplacent pas mal. J'ai un de chez Philippe, le plus petit, qui a fait la pole position tout à l'heure. Et l'autre est pas très bien placé aussi. Enfin, il doit être quatrième, je crois, mais c'est bien, pourvu que ça dure. Il se débrouille presque mieux que moi, à la limite. Et cela a bien duré, puisque Philippe va remporter également cette seconde manche, tandis que Christophe termine second à l'addition des deux temps. C'est Marc Échalier, au prix d'une grande régularité, qui monte sur la 3e marche du podium.
Christophe et Philippe Lachat occupent eux les deux premières places du classement. Quant à leur père, ils voient déjà plus loin que les frontières de l'Hexagone. Oui, il va y avoir des courses organisées en Europe, je crois en Italie, en Angleterre et en Allemagne. Et c'est, ces pays européens se regrouperont pour une super finale qui aura lieu à Milan sur le circuit de Monza en octobre. Et n'oubliez pas que vous pourrez trouver chaque mois le compte-rendu détaillé des différentes manches dans le magazine Auto 8. Oh.
de la voiture numéro 7, en troisième position la voiture numéro 2, en quatrième position la voiture numéro 3 et en cinquième position la voiture numéro 2.